Le Loire noisette, également connu sous le nom de Loire commun ou Loire d'Eurasie, Muscardinus avellanarius, est un petit mammifère appartenant à la famille des Gliridae. Voici une description du Loire noisette. Apparence physique. Le Loire noisette a une apparence adorable et caractéristique. Il a un corps compact et arrondi, avec de courtes pattes et une queue relativement courte. Sa taille est d'environ 6 à 9 cm de long pour le corps, avec une queue d'environ 5 à 7 cm. Son poids varie généralement entre 15 et 40 g. Son pelage est doux et dense, de couleur brun clair à brun roux sur le dos, tandis que le ventre est blanc ou crème. Il a de grands yeux noirs et de petites oreilles rondes. Répartition et habitat. Le Loire noisette est largement répandu en Europe, de la Grande-Bretagne à l'Asie occidentale. Il habite principalement les forêts mixtes et les bois, les haies, les vergers et les parcs, où il trouve des arbres et des buissons pour se réfugier et se nourrir. Il est également capable de grimper habilement grâce à ses pattes et ses griffes adaptées. Comportement. Le Loire noisette est un animal nocturne, ce qui signifie qu'il est principalement actif la nuit. Il passe la journée à se reposer dans des nids construits dans des cavités d'arbres ou des trous dans le sol. Les Loires noisettes sont solitaires et territoriaux, sauf pendant la saison de reproduction. Ils sont également connus pour leur hibernation en hiver, durant laquelle ils réduisent leur activité métabolique pour économiser de l'énergie. Alimentation. Les Loires noisettes sont des herbivores qui se nourrissent principalement de graines, de noix, de fruits, de bourgeons, de fleurs et de jeunes feuilles. Ils ont une préférence particulière pour les noisettes et les glands, qu'ils collectent et stockent dans des réserves pour l'hiver. Leur régime alimentaire peut varier en fonction de la disponibilité des ressources dans leur habitat. Reproduction. La saison de reproduction du Loire noisette a lieu généralement entre mai et juillet. Les femelles peuvent donner naissance à une ou deux portées par an. Les petits, appelés loirillons, naissent aveugles et sans poils, et ils sont allaités par leur mère pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller seuls. Adaptation. Le Loire noisette possède plusieurs adaptations qui lui permettent de survivre dans son habitat. Ses doigts agiles et ses griffes incurvées lui permettent de grimper efficacement dans les arbres et de se déplacer entre les branches. Il a également une queue préhensile qui lui sert de balancier lorsqu'il saute d'une branche à l'autre. Son pelage dense lui offre une bonne isolation thermique, ce qui est essentiel pendant l'hibernation et les périodes froides. Hibernation. Le Loire noisette est connu pour son comportement d'hibernation. En automne, il accumule des réserves de graisse en se nourrissant abondamment pour pouvoir passer l'hiver sans se réveiller et sans chercher de nourriture. Pendant l'hibernation, qui dure généralement de novembre à avril, sa température corporelle,
son métabolisme et sa respiration diminuent considérablement pour économiser de l'énergie. Communication. Les loirs noisettes utilisent différentes formes de communication pour interagir avec leurs congénères. Ils émettent des ultrasons, des grincements et des sifflements pour communiquer des messages territoriaux et de reproduction. Les marques olfactives, telles que les sécrétions de glandes odorantes, sont également utilisées pour marquer le territoire. Prédateurs. Les loirs noisettes ont plusieurs prédateurs naturels, notamment les rapaces nocturnes tels que les chouettes et les hiboux, ainsi que les fouines, les belettes et les serpents. Pour échapper à ces prédateurs, le loir noisette se repose dans des nids bien cachés et utilise son agilité pour échapper aux attaques. Conservation. Bien que le loir noisette ne soit pas actuellement considéré comme une espèce menacée, il peut être vulnérable à la perte d'habitat due à la déforestation et à la fragmentation des zones boisées. La conservation des forêts et la préservation des habitats naturels sont essentielles pour assurer la survie à long terme de cette espèce. Le loir noisette est un petit mammifère fascinant qui a développé des adaptations uniques pour sa vie arboricole. Sa nature discrète et son rôle écologique en tant que pollinisateur et disséminateur de graines en font un acteur important dans les écosystèmes forestiers. Bien que souvent méconnu, le loir noisette est une espèce digne d'intérêt et de préservation.